Bonjour, je m'appelle Yasmine Abbas, je suis hybride néo-nomade, je suis architecte de formation. J'ai aussi fait un doctorat à l'université de Harvard aux États-Unis. Et je suis aujourd'hui en train d'écrire un livre sur le néo-nomadisme des éditions FIP. Pour moi, le néo-nomadisme, c'est la mobilité en trois dimensions. Donc il y a une dimension physique, on va du point A à un point B, une dimension numérique et une dimension mentale. Le néo-nomadisme, c'est vraiment un état précaire puisqu'on change de statut ou d'état assez souvent. Voilà, tout bouge. Alors, on est néo-nomade que là où il y a une infrastructure de la mobilité, de contrôle du néo-nomade. On ne bouge que là où l'infrastructure de la mobilité existe. Parce que s'il n'y avait pas de Wi-Fi, on ne pourrait pas accéder au numérique. Et donc, finalement, on ne bouge que là où il y a une infrastructure de la mobilité. Et donc, si je devais, par exemple, vous donner une définition du néo-nomade, en moins de 140 caractères, on va essayer, puisque c'est la norme Twitter. La définition du néo-nomade en moins de 140 caractères, c'est un individu mobile numériquement, physiquement et mentalement qui utilise les pigs, les personnes, l'information, les goods et les espaces, spaces, et les technologies pour s'ancrer au lieu. Et donc ce s'ancrer au lieu devient très important. Plus on est mobile, plus on a besoin de s'ancrer et créer des repères. Et c'est ça le néo-nomadisme pour moi, je pense. Aujourd'hui, il y a beaucoup de coworking space. On parle beaucoup de coworking space. Et ça, c'est très, très intéressant pour la culture nomade, en cela que les personnes qui sont dans le coworking space ne font pas forcément partie de la même entreprise. Ils ont peut-être une idée, ils travaillent peut-être sur les mêmes thèmes, mais ils sont là pour travailler ensemble. Alors, par exemple, prenez l'exemple du travail chez soi, à la maison. Bon, c'est intéressant de temps à autre. Tout le temps, c'est un cauchemar, parce qu'il faut vraiment pouvoir gérer ça. Quand on est dans un coworking space, au moins, on a des interfaces physiques qui sont toujours très importantes. Et donc, ça permet ces interfaces, ça permet de se nourrir intellectuellement et en même temps de travailler sur des thèmes, communs. Ça nous permet de travailler sur des thèmes communs et donc d'où l'importance du coworking space. Alors, dans le coworking space, il peut sûrement y avoir des espaces ouverts et des espaces fermés. Et maintenant, justement, toute l'idée du nomadisme, c'est de pouvoir offrir des espaces flexibles où l'on peut avoir les deux. Parce que je crois que les deux ont des avantages et des inconvénients. Au niveau de l'innovation, c'est clair que l'open space, c'est peut-être très intéressant au niveau de l'innovation. Au niveau si on doit se concentrer sur un document, c'est beaucoup plus difficile. Et finalement, la productivité peut être assez minime. Et donc, ce qu'il faut, c'est avoir des coworking space, pouvoir être flexible, pouvoir travailler chez soi, venir travailler ensemble, travailler chez soi, travailler avec des individus qui ne sont pas forcément du même domaine, puisqu'il y a un brassage, justement, qui est très, très important aujourd'hui. C'est l'interdisciplinarité qui est aussi très importante, qui est complètement différente de l'open space traditionnel, puisque dans l'open space traditionnel, on était dans la même entreprise. Là, on est dans un espace où il y a plusieurs mini-entreprises qui sont là ou qui travaillent sur des projets différents et qui échangent des idées, qui échangent des réseaux. Ça, c'est très important. Qui se passe un projet à l'autre et donc finalement qui permettent de créer des garde-fous puisque finalement je peux passer d'un projet sur une autre équipe avec quelqu'un d'autre dans cet open space si je monte mon réseau correctement.
Donc c'est d'où l'intérêt de ces coworking spaces.